ouais. Alors? Par ici, là. Il n'y a pas de dénivellation. Hein. Vous rentrez par là ou vous rentrez par là? Je rentre par ici. Par ici? Allez, alors je peux y aller? Alors, ben Jacques, je vais vous soumettre un petit best-of, mais très rapide comme ça. J'aurais pu commencer comme dans le spectacle que nous faisions ensemble, Jacques tout Jacques. Je commençais par un poème automobile, mais on va le dire tout à l'heure. Et du coup, j'ai choisi un autre poème déferlant comme ça dans mon best-of. Ventre de la mer, ventre de la terre, nous naviguons de ventre à ventre. Ventre de la nuit, ventre du néant, nous naviguons, ventre devant, nos intestins sont les témoins que notre tête n'est pas première, ni qu'est dernier, notre derrière, qui est le ventre, mais à l'envers. Nous avons l'air qui est au ciel, qui est si bleu quand il fait beau, dans nos poumons, dans nos boyaux, nous sommes de l'air dans une peau, nous sommes de l'eau dans de la chair. Crevez ces camps, crève le pot qui contient l'eau, qui contient l'air, qu'outre le jour de la lumière, nous naviguons, dématés pour le dévoilement qui nous attend, changeant de ventre, rentrant en terre, irons-nous vers un contenant, un continent, du tout au tout, réordonné par la lumière, pour la lumière, nous enveloppant, devant, derrière, figure et yeux, au ventre, au dos, laissons le sac dans quoi nous sommes se démailler progressivement, nous défilant sur les coutures, ventre debout, ventre dedans, glissons, glissons dans l'eau du temps. Voilà. Respiration. Souvent, cette proposition rythmique a au devant de son poème, me reviennent en tête mille petites choses formidables comme parler, c'est avec la voix. Chanter, c'est avec la voix. Parler n'est pas chanter. La voix peut chanter des paroles, la voix ne peut pas parler la chanson. La voix qui parle la chanson parle les paroles d'une chanson. Dans ce cas, elle n'a plus besoin de la musique. La voix qui parle les paroles d'une chanson est étrange. La voix qui parle les paroles d'une chanson, en fait, est en train de dire un poème. Et le poème continue là-dessus avec ce regret, parce qu'il faut d'Arras, qu'il pique un peu à droite, à gauche, ceux qui se sont refroidis, ceux qui se sont formalisés. Et tout d'un coup, dans le poème, il dit ben, le dernier poète-chanteur s'appelle Aragon, manifestant par là qu'il regrette, peut-être dans la modernisation de la poésie, conflit mené il y a quelques années. Ça manquait de musique, ça manquait de poète-chanteur. Ah, je ne peux pas, tiens, rentrer dans ce propos sans citer Autobiographie de l'espèce humaine, puisqu'il y a une espèce de portrait où vous n'êtes pas contre l'idée de parler de vous-même dans vos poèmes. Même si vos poèmes parlent du monde. Pour l'instant, allez-y. Bon, c'est-à-dire que je parle du monde à travers moi. Je pense qu'on est tous logés à la même enseigne. On ne peut pas faire autrement. Simplement, ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas oublier le monde et ne pas parler que de moi seul. Alors, donc, il y avait ça. Il y avait un de nos premiers entraînements. Ça remonte à pas mal de temps. Position du poème. Il est assis. Il a les genoux pliés. Il voit le monde. Il voit des fleurs de trèfle blanche. Il voit un toit de tuiles rouges, il voit un carré de ciel gris, il ne voit pas le monde. Il est le monde à lui tout seul. Ça, je vous l'ai vu faire, ça. Vous prendre pour le monde à vous tout seul. À Gênes, vous vous êtes pris pour Gênes. Oh, mais vous savez qu'à Gênes, j'étais... Il pleuvait comme c'était pas possible. Je me souviens de cette séance-là. Nous étions dans un lieu ahurissant, à l'acoustique impossible, qui était un vieil hôpital du XIIe siècle, dans lequel on accueillait les malades picards et flamands,
retour de la croisade. Ce bâtiment qui est tout près du port de Gênes n'a pas bougé d'un pouce. Et c'est là-dedans qu'on nous a demandé de lire ensemble. Oui. Contre la pluie, contre le passé, et en présence de ces fantômes qui étaient malades, mourants, mais qui étaient des gens du Nord qui étaient partis vers l'Orient un peu comme des imbéciles, quoi. Mais croisade des innocents, d'ailleurs. Croisade des innocents, la première croisade, tous ces gens... Il ne faut pas que je le laisse parler. Il va nous refaire l'histoire. Ah, monument. Édifice. Édifice. Profitons-en pour saluer les bibliothécaires qui nous ont reçus, les libraires d'autrefois, oui, les directeurs de théâtre. La bibliothèque bruit. La bibliothèque bruit d'un frisson de pages. Quelques livres s'ouvrent, des dictionnaires s'ouvrent au verbe ouvrir, à la forme réfléchie, à la forme pronominale. La porte de la bibliothèque grince, il entre des jeunes filles, des femmes, des enfants qui vagissent. Lorsqu'un enfant paraît, l'édifice des livres s'écroule, les livres se rétractent, le silence est chagrin, le barbare est dans les runes. Je voulais citer ce morceau-là qui nous a accompagnés souvent, mais d'ailleurs on y entend parler de la forme réfléchie, de la forme pronominale. C'est vrai que je pourrais immédiatement citer cette évidence zoroastrienne au moment où on fête le nouvel an en Iran, c'est-à-dire que le miroir, mais le miroir de l'eau avant tout, vous le savez, est très important dans la poésie de Jacques d'Arras. Et dans le miroitement, il y a des effets de construction, une sémantique, une phrase, des tas de jeux qui s'éveillent. C'est très important, la forme réfléchie. Il y a à la fois dans l'eau une réflexion, au sens propre du terme, et un réfléchissement. C'est un mot qui n'est pas souvent employé. Mais moi, je préfère dire que je réfléchis comme l'eau réfléchit que comme on réfléchit par la pensée. Je suis toujours sensible à la part inversée de l'image de nous-mêmes dans l'eau. Un réfléchissement, c'est proche de l'eau. J'aime l'Oise, la rivière Oise. J'aime les rivières dont le nom est fait exclusivement de voyelles. Presque uniquement de voyelles. Avez-vous remarqué comme les rivières de France étaient voyelles, toutes voyelles, comme si le liquide, comme si l'eau se solidifiait liquide en elle, etc. Celui-là, il faut que je le révise. Il y en a un que je n'ai pas besoin de réviser parce qu'il est comme une petite machine dans ma tête. C'est Autobiographie de l'espèce humaine. Et qui commence par « Je suis un homme du 20e siècle finissant ». Comptez mon âge jusqu'à 50, je suis une moitié de 100 ans. Cassé par le milieu, je frappe sur un clavier d'ordinateur. Entre les touches et moi, ma mort. Vous êtes unique, nous sommes plusieurs à l'être. Vous comme moi, nous avons cru être les seuls à être seuls. Nous revenons de notre erreur. Je suis dans un ordinateur par l'être classé à notre rang. De me savoir classé m'enrage. J'ai horreur des classes, des classements. D'appartenir à une espèce, fût-elle humaine, m'exaspère. J'espère en dépit de l'espèce. J'espère même contre les savants me couche sur leur table. Leur égoïsme à maillot fixe. Je suis la branche sur laquelle je suis assis. Je suis là, si je suis un singe scieur de branches généalogiques, me décousine du cousinage d'avec moi-même le grand hurleur d'Afrique. Malgré ma courte échelle, je ne suis pas encore au ciel. Bon, voilà, celui-là, je voulais le citer, c'est l'ouverture de ce très long poème qui s'appelle Autobiographie de l'espèce humaine. Je n'ai plus rien à dire, j'ai un poème sur la Terre, j'ai juste à dire ces quelques mots que... Vous savez, quelquefois, je vous appelle en disant « C'est quoi ce poème-là » J'ai une phrase qui me revient en tête, comme on le verra tout à l'heure. « L'autoroute est route d'elle-même, mais j'arrive plus à retrouver dans quel poème. » Mais moi non plus. On a cherché pendant deux jours. Non plus. On se passe notre amnésie réciproque. Dans Vanek et les rivières. Mais celui-là, je sais qu'il fallait que je le retienne. « Parlez tout haut, comme on prend note sur un carnet. » Alors là, je ne peux pas vous aider. Hein. Là, je ne le sais pas, celui-là. Passer d'une idée à l'autre avec l'allégresse, l'incohérence de l'oiseau, ne pas poser, surtout.
ne pas poser. J'insiste. L'écriture à voix haute. Voilà. Ça, ça définissait aussi un cœur de notre travail immédiatement, puis avec d'autres, d'autres poètes, on peut parler d'une école sans définition, sans école de poésie, celle, effectivement, de la poésie à voix haute, on peut appeler ça de l'oralité, etc., à laquelle vous donnez un sens si particulier. J'en ai terminé pour mes indispensables et j'en remets quelques-uns en poche parce que je me balade toujours avec des airs de Darras qui me reviennent dans la tête. Au boulot. Vous aviez des choses à rajouter? Non, pas du tout, non. Vous avez déjà presque tout dit, non, mais... Cela dit, la répétition ne nous fait pas peur, hein, à vous comme à moi. Alors, on commence par le peintre Pierre-Paul Rubens, puisque le thème principal du Printemps des poètes, enfin, c'est une conjonction, c'est notre réponse à nous, et la beauté. Pierre-Paul Rubens, dialoguant avec Elena Fourment, sa femme, nue sous une fourrure noire. C'est un tableau de Rubens qu'on peut aller voir à Vienne, Autriche, dans une salle qui suit Bruegel, les extraordinaires Bruegel, suivi par les extraordinaires Rubens. Et ce tableau m'a fortement arrêté. La beauté parle avec une voix de femme. Elle se nomme la beauté, beauté et féminin. Ceux qui font parler la beauté se nomment les peintres. Ils demandent à une femme de rester debout devant eux. Restez debout, s'il vous plaît. Restez debout, ne bougez pas. La beauté consent, la beauté est consentante, la beauté ne proteste pas. Cela est très important, la beauté est une femme qui consent. À quoi consent-elle? À ce qu'on la regarde, qu'un homme la regarde longuement. Un homme, un modiste, un modéliste, un couturier, un photographe, un peintre. Mieux que tout, la peinture, dans la fusion du trait, la pâte. Dans la fusion du fusain que le tissu chasse, que la couleur recouvre, une femme attend par consentement qu'un peintre l'habille et la déshabille. Parlent-ils ensemble? Ils dialoguent, ça fait aucun doute. N'échangerait-il que deux ou trois mots avec la voix, ils dialoguent. Que peut-on faire avec la beauté sinon dialoguer avec elle? La prendre dans ses bras comme un homme prend une femme? La beauté cesse. La beauté cesse d'être la beauté pour devenir désir réalisé. Le désir de beauté demande la distance juste. La beauté est une image peinte de la beauté. Une femme s'est tenue debout, assise, couchée, pendant plusieurs heures, plusieurs séances, plusieurs pauses, plusieurs jours, plusieurs semaines. Revenez me voir demain, s'il vous plaît. Et l'on imagine que le peintre, quelquefois, n'a pas dû résister, qu'il s'est approché doucement de son modèle, ses brosses reposées. Et l'on imagine que le modèle a cru à une correction de sa pose. Et l'on se représente le peintre lui prendre délicatement le bras, le déplier lentement le bras du modèle, de la beauté, puis souffle coupé. Poser la main paume ouverte sur le sein de la beauté. Poser la paume ouverte, doigt légèrement pressant contre son sein. Le modèle, la beauté, s'est demandé, est-ce une correction de pose? Surprise, la beauté a fait croire à une indication nouvelle, et puis non, doucement, une fois, non, deux fois, reprenez votre pose de peintre. Et puis non, la beauté n'a pas cédé sur la beauté d'un pouce, d'une paume. Reprenez vos outils de peintre, la brosse, les pinceaux, a-t-elle dit au peintre. Quand la beauté était véritablement la beauté, imprimant sa distance au désir. Cela se sera-t-il passé vraiment toujours ainsi? Sommes-nous bien sûrs? Non, pas totalement, pas à chaque fois. Il y aura eu des exceptions. Quelquefois, la beauté n'aura pas résisté à son propre désir. Quelquefois, l'émotion de la femme l'aura emporté sur les distances. Oui, quelquefois, sans doute, mais après. Après s'être remise debout, que se sera-t-il passé? La beauté aura vraisemblablement repris la pose. Posée au peintre, la question, continuons-nous? Confus, ravi, honteux, libéré d'être passé à travers la toile, maillé du désir, lui. Lui, que fait-il dans cette situation?
A-t-il encore le sens des distances en lui? A-t-il l'attention énergique nécessaire en lui pour reprendre ses distances? Ce sera selon les cas, mais dans le cas majeur d'un respect réciproque, le dialogue a lieu. Le dialogue de la main avec la toile, le crayon, l'huile, l'œil, les formes. A lieu le dialogue, cependant on n'entend rien. Rien ne dit rien à rien. Le crayon est d'un mutisme total. Il trace, il écrit. Et c'est toute cette puissance de dialogue tue, de gestes amoureux mimés, toute cette conversation à paroles convertie en leur contraire silencieux, tout ce long suspens des mots retenus dans les deux bouches fermées, l'une mince et souriante comme souriant vers l'intérieur d'elle-même. L'autre crispée, lèvres nerveuses par l'appréciation insatisfaite. Oui, ce sera cette retenue de la parole au profit des traits qui donnera la beauté. La beauté est une femme qui pourrait parler, une femme qui va parler. Mais chut, qui ne doit pas, qui ne peut pas, qui se l'interdit à elle-même. La beauté est une interdiction faite par la beauté à elle-même. Est-ce pourquoi nous sommes interdits par elle? Interdits par la beauté? Interdits de la beauté. Suspendu de, suspendu à la beauté. La beauté est un acte d'amour douloureusement, amoureusement différé. À cette condition, cette seule condition, la beauté parle. La beauté dans la peinture parle. Taisons-nous à notre tour, écoutons-la. Écoutons-la nous-mêmes parler toutes les paroles qu'elle conserve en elle. Car la peinture est comme la parole dans une conversation sacrée. Car la beauté est comme le sacre de la parole dans une conversation profane. Littoralement. C'est curieux comme poème, nous sommes périphériques au roman. Cathédrale bien campée sur ses chaises papales et vieux romains. La famille, le latin, l'adultère civique, les guerres de succession entre doigts de la main. Et nous, la paume ouverte, fruitièrement à la mer, anses et baies, ayant souci du large, terrien, mais qu'à moitié. Pour terrain vague, les vagues, justement, la fluctuance du credo, à l'océan de dos, adossant nos squelettes pour mieux entendre le bruit qui tonne à nos oreilles. Breton donc, par la carte, ou manchois incertains qui émanons du nord peu ou prou, qui provenons des fjords, des firths, des rias, et nous vons aux abers, aux amers, à l'angle des rochers qui mettons à la cape pour nous couper du vent. Oui! Poème, c'est debout, sur une plage, soulèvement pulmonaire de la phrase, verbe actif, un peu trop, non réduit par proportion du large, ratio horizontal dominant, et tout seul, esquif d'île, périssoire s'aventurant d'une pelle vers d'autres archipels d'isolement, précaire, mais endurant, nous faisons colonies idéales au voisinage des phoques, des manchots, kerguelénant au sud, vers les blanches banquises où nous fondre plutôt que fonder, sociaux juste ce qu'il faut pour survivre, pommes de terre et granit, hommes d'Arran comme d'Arras, communaux échoués par vertige qu'il y a à toiser la falaise de la vie, craie ou cran. Ah, c'est un poème récent, alors. Tout récent. Tout récent, oui. Cran, oui. Bien sûr, tout le monde sait ici qu'en Picard, c'est la craie. Mais c'est un thème ancien de vous en prendre au roman, histoire de vous mettre en forme. Oui, c'est vrai. Oui, d'affronter. Est-ce qu'il faut que je l'avoue publiquement? Le poème et le roman, pas c'est, du tout. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Oui, mais la pomme fruitière ouverte, c'est ça. C'est-à-dire que le roman ne fait pas ça. Il n'accueille pas le monde. Il ne le prend pas à pleine paume, à pleine main.
Le reste entre poème et paume, c'est assez bon, c'est assez voisin. Un des moteurs de lancement du montage, du spectacle, c'était ce moment où j'avais enregistré à l'interview, à l'entretien avec vous. Je me disais, il n'y a rien à faire. Le roman, c'est horizontal. Il pleut dans les romans, ça s'étire. Mais il n'y a rien à faire. La poésie, c'est vertical. Ça s'élève. C'est droit. La poésie, c'est... Vous disiez ça, comparant la poésie à un arbre, rappelant son vieux devoir de transcendance aussi. Il faut que quelque chose s'élève par la poésie, alors que le roman peut être horizontal. Je ne suis pas sûr qu'il faille trop parler de verticalité en ce moment. Ah oui. Donc, mettons un peu d'horizontalité dans la poésie. C'est pour ça qu'on rajoute un effet spirituel. On dit que c'est spirituel. Oui, alors allons tout de suite au ciel à ce moment-là. On va prendre la voiture pour y aller parce qu'il y a une autre définition qui m'a séduit. C'est que j'avais devant moi un poète avec de bons pieds, certes, mais c'est surtout un poète qui ne détestait pas l'automobile et qui disait que peut-être il était aussi du devoir du poète d'écrire des poèmes automobiles. Mais ce qui est étonnant, vous le savez, on en parlait tout à l'heure, je vous posais la question, est-ce que vous connaissez beaucoup de poètes automobiles, c'est-à-dire qui font entrer une automobile dans leurs poèmes? Mais je disais, peut-être des poèmes, et des poètes italiens, qui font quand même faire des... Oui, pas tellement. Pas vraiment. C'est possible. Alors le dernier à ma connaissance, mais ça remonte à 100 ans, c'est Blaise Cendrars, qui déjà se disait, mais comment se fait-il que les poètes ne s'occupent pas d'automobile? C'est d'autant plus paradoxal qu'on est tous en automobile, tout le temps. C'est vrai. Alors, moi, je reçois beaucoup de poésie, parce que j'ai cette chance de mener une émission à France Culture pour intervenir et lire des choses. C'est très rare, il est très fréquent que je tombe sur des poèmes qui racontent encore le chemin, les champs ouverts, la promenade en forêt, etc. Et très peu qui prennent la route et l'autoroute. Voilà. Oui. Voilà. Il est 9h dans la petite Peugeot 205, je boucle ma ceinture. Quand j'ai lu ça, je me dis ça, on va en faire quelque chose. Je trouvais ça formidable. Mais en plus de ça, il est question de défendre la petite Peugeot 205. Comprenez? Parce que j'aurais pu vous présenter aussi un poète de l'Alfa Romeo ou de la BMW ou même encore plus, encore la Jaguar. Non. Il est 9h dans la petite Peugeot 205 dont on devrait faire plus de publicité aujourd'hui ou en tout cas à équivalent avec la voiture électrique qui, elle, est très polluante dans sa fabrication. La petite Peugeot 205, peut-être que c'est la solution de l'avenir. Il est 9h dans la petite Peugeot 205, je boucle ma ceinture, préventive contre les chocs d'espace. Cela ne change rien à la platitude de la plaine flamande que je vais traverser. L'autoroute et route d'elle-même ne rien lui demander d'autre. Dorénavant, nous allons tous en même temps au même endroit. C'est ça qui m'avait... Cela dure plus longtemps. Gain de temps signifie allongement de la durée des existences. Plus nous approchons des villes du paysage, plus nous nous éloignons de nous, ne voyons plus à l'infini la fin finie de nos chants. Et alors là, je peux prendre en comparaison ce petit rythme que... D'où sortait ce grand poème? Enfin, le poème automobile par excellence, c'était « J'ai ouvert la portière, je m'assieds, je décroche la ceinture, me la passe en travers, bandoulière d'insécurité, j'allume, contact, démarreur. » Tous les bons moteurs, tous, avant de démarrer. Tous, au moins une fois, l'essence venant ensuite s'offrir à l'allumette qui sagement l'enflamme. Première et clignotant, coup d'œil rétrovisé sur la gauche en arrière. Seconde, l'oreille écoute quand il faudra passer la troisième. Cela fait 4 bonnes secondes que nous roulons dans un poème. Sentez-vous la moindre différence, le plus petit heurt ou chaos qu'on éprouve avec une auto courante ou ordinaire, je veux dire une phrase quelconque qu'on prononce au réveil comme « As-tu bien dormi ?» sans attendre la réponse, qui vient ou ne vient pas ou qui craque quelquefois, comme une boîte de vitesse m'amenée par une main inexperte, un poème moderne et poème mécanique. Assemblé. Assemblé sur une chaîne de montage, production de série, Mulhouse Valenciennes flinque pour la publicité, nous qualifierons de rhétorique oratoire souple, priant à 4 mains ou paume caoutchoutée qui, s'il pleut, s'il neige, colle adhésivement au revêtement routier, solidaire lui-même de la même raffinerie. Nomades occidentaux circulant sur nos pieds, pourquoi hanterions-nous encore l'ancienne mesure alors que le 4x4 quadrimoteur permet l'ascension du sublime, famille au grand complet? Là, je propose d'arrêter là.
Là, parce qu'après, c'est un poème long, magnifique et démesuré. Vous en aviez la suite, en plus. Ah, j'en ai la suite, mais je vais vous, je veux quand même pas vous épuiser tout de suite, quoi, parce que ça bon, c'est, je suis très content d'avoir réussi à introduire Flins, Valenciennes, dans la poésie. C'est, parce que ça, mine de rien, c'est de l'alexandrin. Hein. Ouais, c'est de l'alexandrin. Tout ça, c'est de l'alexandrin vérifié. Hein. Vérifié et blanc, c'est-à-dire qui rime pas. Et alors, ça dure comme ça pendant 4 pages. Rappeur, slammer. Oh, c'est un rap, finalement. C'est un slam. Rap. D'ailleurs, certaines fois, vous l'avez dit en slam. Ouais, carrément. Et il faut essayer. Les rappeurs qui sont dans la salle, je vous dis, il faut essayer l'alexandrin. Mais ils sont d'accord. Moins de rimes. Plus de rythme. C'est ce que dit M. Darras. Il met pas. Il appelle ça du vert blanc. Lui, il appelle un vert blanc. Il n'y a pas de rime. Ben oui, c'est ça. J'ai ouvert la portière, je m'assieds, je décroche la ceinture, me la passe en travers, bandoulière d'insécurité. J'allume, contact, démarreur. Tous les bons moteurs, tous, avant de démarrer. Tous, au moins une fois. L'essence venant ensuite s'offrir à l'allumette qui sagement l'enflamme. Première et clignotant, coup d'œil rétrovisé sur la gauche en arrière. Seconde, l'oreille écoute quand il faudra passer la troisième. Cela fait 4 bonnes secondes que nous roulons dans un poème. Magnifique. Hey. Give me 5. Give me 5. Mais c'est en douceur que je vous proposais la transition, puisque cet extrait de Vanneck et les rivières, et dans Vanneck et les rivières, très souvent on est tenté de monter vers la Belgique, vers Bruges par exemple. Je vous propose ce petit chant, parce que ça fait partie de votre conviction, de vos combats. Ah oui, j'ai introduit du néerlandais dans ma poésie, j'ai introduit de l'italien, j'ai écrit un poème tout en italien. Bon, à chaque fois, j'essaie de le faire vérifier. La prononciation, ça fait longtemps que je ne l'ai pas prononcé. Bon, tant pis, s'il y a des néerlandophones dans la salle, ils me pardonneront de ne pas être totalement précis. Donc, cette petite Peugeot, très souvent, je l'ai utilisée pour aller de Calais, où j'avais un appartement qui dominait la Manche, avec l'Angleterre en face, pour aller de Calais à Bruges. C'est pas très loin par l'autoroute A16 aujourd'hui. Et donc, nach Brugge, nach de Nacht van Brugge, nach de Nacht van Europa, deze velden van Europa zijn donkergroen. Ik wil naar de groene velden van de nacht van Europa. Ik wil naar het diepe roen. Voilà. Ça, je reprends, Valentin. Jacques, avant de vous donner la transition, j'ai charge pour la technique de vous laisser dans les bonnes lumières. Je sais que à quel point vous aimez le public et irrésistiblement. Vous approchez les premiers rangs, vous vous laissez serrer des mains. Oui, avec du péril quand même. Hein. Voilà. Donc, bon. Là, on est. On passe en Belgique. On va du coup vers la on Belgique. On va vers la Belgique. Le pays au bout de mon jardin. Un pays est toujours plus que la somme de ses habitants. Un pays est toujours la somme de ses rêves. De ses habitants plus leurs rêves, au-delà de lui-même, en permanence derrière l'horizon. Il n'existe pas d'arithmétique nationale, existe l'arithmétique approximative déjà inventée qui se nomme littérature. Les hymnes nationaux sont la littérature en peau de chagrin. Vous prenez un drapeau, vous vous essuyez une larme au coin de l'œil. En Belgique, tout le monde prend le même mouchoir, noir, jaune, rouge. Cela tombe bien, je déteste les hymnes nationaux, mais je pleure quand je les entends. Je me déteste de pleurer quand je les entends. Je me déteste d'être belge quand je rêve debout à la Belgique. Heureusement, je ne suis pas belge. Pourquoi m'arrive-t-il donc de tant rêver à la Belgique? Parce que je suis français. Que mon rêve de la Belgique est l'immédiateté de mon rêve le plus proche. La Belgique
commençait au bout de mon jardin. J'ai longtemps rêvé du jardin d'en face, d'au bout, d'au-delà l'horizon. Enfant, le nord m'attirait. Le cadastre de mon village était disposé de telle façon que la partie nord était plus spectaculairement en pente, couverte de bois, de bosquets. Au nord, il y avait un moulin de pierre à cheval sur deux cadastres. Au nord de mon cadastre, la terre faisait de petites vallées valeuses qu'empruntaient les lièvres, oreilles aplaties pour ne pas attirer l'attention des chasseurs à l'automne. J'aimais un or lièvre, un or perdreau, un or couleur d'automne. La Belgique, mon automne permanent attitré. Rien de nostalgique, là. Nous habitons la géographie, la part de la géographie que nous n'habitons pas effectivement, nous la rêvons. Notre pays, la somme de nos fuites dans l'imagination, la somme de fois où nous avons fui, poursuivis par les plombs de la réalité. Je reprends la course encore une fois, épurée, abstraite, comme rêvant à elle-même à mesure qu'elle se court. Je parlerai donc rêveusement de la réalité. L'incompressible gloire nationale est faite du rêve des autres à son sujet. Il y a des invasions multiples, multiséculaires, qui, sans bruit, invisiblement, viennent regonfler les rêves nationaux les uns des autres. Pour ces invasions-là, je ne connais qu'un hymne, le poème. Le poème marché, le poème parlé, le poème rêvé. Il y a toutes sortes de nationalités poétiques qui n'ont pas encore été répertoriées. Ce sont chaque fois des nationalités d'emprunt. Nous entrons dans un monde de nationalités d'emprunt. Provisoires, clandestines. Les vieux douaniers se crispent, reprennent du service, guettent le passage du lièvre, armes et larmes à la bretelle. Douaniers de l'automne qui ne voient passer qu'un rêve, qu'une couleur rousse, qui ne voient rien passer, qui tirent au jugé au hasard. Qu'est-ce qui nous fait tellement aimer une frontière? Pourquoi ce tremblement au moment de la traversée? Comme lorsque vient le moment de conclure l'acte amoureux. Comme lorsqu'on refoule l'air au fond de la poitrine pour laisser venir à soi l'émotion des deux corps. Comme lorsqu'on s'éloigne courtoisement pour permettre aux chairs de débattre, de marquer leur territoire animal. Comme s'il y avait terreur dans territoire. Comme s'il y avait terreur dans le mot terre, arrive le moment de l'entre-deux. Curieusement s'opère tout ensemble trêve, combat. Curieusement alors, les deux amants cessent chacun de s'appartenir, chacun l'un à l'autre révélé. Il y a quelque chose de semblable dans le passage d'une frontière. L'histoire de la terre est histoire d'amour. L'histoire de l'amour que la terre a pour elle-même, que l'on nomme géographie. L'histoire de tout amour véritable est histoire de crainte, en effet. Tout amour véritable est crainte de l'amour, tremblement de crainte que l'amour éprouve au moment décisif, au moment d'abandonner la terre de son propre corps, au moment de la plus grande maîtrise, du plus grand abandon. Nous n'avons d'autre crainte en vérité que celle de l'amour, que de savoir où passe la frontière de l'amour, où passent les lignes amoureuses entre femmes, hommes, que de savoir où les lignes entre les pays doivent être tracées. Notre histoire, notre incapacité à nous maintenir dans l'entre-deux. Notre histoire est une histoire d'amour incertaine. Nous craignons, depuis toujours, de ne pas être à la latitude de l'amour. Cet extrait, cette fois, de Vanek et les rivières,
alors que le précédent était dans un livre qui s'appelle « Moi, j'aime la Belgique ». C'est ça le texte précédent. Ouais. À chacun des deux, on a cette caractéristique. J'ai toujours écouté avec de reconnaissance, en tout cas, que vous disiez, comme dans le texte, quand vous exclamez, pas de nostalgie, là. Après avoir dit des belles images de paysages en automne, vous dites rien de nostalgique, là. Après avoir parlé de vos images de l'enfance et de la remontée vers la Belgique, rien de nostalgique, là. Attention, j'analyse, et vous dites par là même, attention, pas d'émotion abusive sur la question du territoire, chez moi, mon enfance, c'est là où j'ai vécu, etc., mais la géographie. Sublimer ce sentiment d'émotion terroir, un peu trop envahissant, un peu trop plein de conséquences, par la géographie. Et vous dites aussi, par ce fait-là, pas d'émotion, c'est mon émotion. Vous êtes contre le refus d'émotion, je veux dire par là. Quand vous dites, attention, pas de nostalgie, n'empêche, vous l'avez laissé filer quand même, comme le lièvre dont vous parlez. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Vous nous mettez en garde contre... comment dire, en quelque sorte, des émotions faciles. Et vous nous rappelez que, analysez, comme vous venez de le faire à propos de la frontière, qu'on aime encore, quoi. Elles ont disparu, mais on aime encore les frontières. On aime encore ce passage. C'est une grande ambiguïté. Le poème suivant, que j'ai intitulé de façon un peu ironique, « Révolutionnaire », est une réaction à mon absence de réaction en tant que poète aux événements qui, à l'époque, où j'ai écrit ce poème, ensanglanté et continue d'ensanglanter la Syrie. Tout ce qui se passait en Syrie était absolument abominable. Et donc, il y a derrière nous des poètes qui ont pris position, vous citiez Aragon tout à l'heure, c'est un poète qui s'est engagé dans la résistance et qui a écrit des poèmes de résistance d'une certaine façon. Et donc, je me disais, mais comment peux-tu ne pas écrire de poèmes sur des situations aussi horribles, abominables que celles qui se passent aujourd'hui au Moyen-Orient. Et alors je réponds avec beaucoup d'honnêteté, et donc disant, écoutez, je suis un révolutionnaire doux. Moi, j'écris des poèmes doux, généralement doux, où il y a des forêts, des haies, un buvard de feuilles végétales qui étouffe les aspérités du monde. J'en suis conscient. Je ne concocte pas d'hymnes, ne tisse pas de drapeaux en tissu de cris derrière quoi je défilerai moi-même en cortège, appelant les autres à me rejoindre. Non. Je déplie des lignes souples, flexibles comme des gaules en joncs de pêcheurs chinois ou des marais picards, du côté de Camon, Longo ou Gouy, petit village qu'il faut longtemps chercher sur les cartes avant d'y asseoir son pliant. Je suis spontanément nénuphar et reine des prés. Je suis menthe sauvage, le parfum du paradis au nord. Bon, la liberté pour moi vint impérativement de soi, n'est plus à conquérir ni revendiquer, c'est fait. Des coussins de mort résistante ou révolutionnaire se confondent à la végétation environnante qui a repoussé depuis, raldo, bléry, caquette sans vergogne ou plure des obus. Obus, j'ose l'écrire. Mais devant les canonnades reculées très à l'est, où le soleil se lève sur des décombres fumants, des immeubles aux fenêtres dévergondées, des formes humaines baignant dans des mares de sang, vais-je enfin dire quelque chose? Le puis-je? Quelque chose qui ne soit pas de circonstance et qui pourtant le soit? Non. Et cependant, oui. À savoir qu'il vient toujours un temps à la fin, qui laisse sa chance à l'aube et aux pêcheurs, aux hommes vacants à leur commerce, leurs étals, dans un parfum de cardamome, de cinabre et de menthe,
la sempiternelle monte du temps où le ciel se diffuse intensément dans toutes les veines, substituant son bleu au rouge spontané de la rivière corporelle. Il viendra ce temps. Elles macéreront ces feuilles parfumées dans la théière en porcelaine du matin. Vous écrirez des poèmes doux, des poèmes de douceur, de coussins, d'oreillers, de chants dufteux, de sarcelles ou de macreuses noires, sérieuses comme des muftis. Des hérons priant à une Mecque réfléchie. Vous verrez, je prends la liberté insensée de vous le dire aujourd'hui. La réflexion, c'est ce qu'on disait, ou le réfléchissement aussi. Et c'est un beau montage, là. La Belgique, les hymnes nationaux. Nous entrons dans une période de nationalité d'emprunt, dites-vous à quoi. Ah oui, je suis très fier aussi d'avoir inclus, dans le sens du poème, à la fois Camon et Longo. Fallait le faire, hein, c'est voilà. Pas évident. Hein. Cette page de réflexion révolutionnaire, je regardais là, les gens, ils écoutent bien. Hein. C'est voir qu'à Amiens, d'abord, ils ont une grosse capacité, ça, on sent que... Et puis, ils sont sérieux. Hein, ils sont... Bon, du coup, c'est bien, dans votre montage, là, c'est bien tombé qu'à ce moment-là, je dise que finalement, j'ai la même histoire que vous. Elle est peut-être moins poétique parce que j'étais né à Douai, quoi. Et il y avait... Ben, eh oh pas commencé, hein. Et parce que lui, il est des petits ruisseaux lamés, tout ça, alors... ça fait des volumes et des volumes. Moi, c'est la scarpe. Et Marceline Desportes-Valmore, elle a écrit sur la scarpe. Et la scarpe, elle se jette dans un fleuve qui s'appelle l'Escaut. L'Escaut. Et l'Escaut, il prend sa source où? Ben, en Belgique. Enfin, je vais attendre que la salle vous le dise. L'Escaut prend sa source en Picardie, à oui. Quelques kilomètres de la Somme, dans près d'une ville qui s'appelle Saint-Quentin. Ah bon? C'est un fleuve picard. Alors, vous en avez plus que nous, hein. Nous, on a que des canaux. Même des fois, vous êtes allé chercher l'Oise. L'Oise prend sa source en Belgique. Ben oui, c'est ça, ouais, ouais, ouais. À Chimay, ouais. Là où il y a de la bière, ben vous le savez. Ah, ça. Justement, ah, je voulais en parler. Parce qu'on a eu la même enfance tous les deux. On partait en voiture en Belgique. Assis sur le siège arrière, les parents nous emmenaient en Belgique. La Belgique était au bout de mon jardin, dites-vous. Ouais, à Orchy, j'avais des parents à Orchy. Orchy, Corée. Et non, mais c'était génial. Vrai. La non, même. C'est au bout, la Belgique, elle est voilà. Au bout des jardins d'Orchy. Moi, j'ai vécu les mêmes choses, si bien que j'étais vraiment pris, comme on est pris par un roman, hein, je m'excuse, quand j'ai vu Altitude de la Chicorée. C'est un poème où, si vous voulez, Jacques Darras essaie d'analyser le vrai grand problème de la Belgique et il les décortique feuille à feuille. Et il libère la Belgique de ce qui l'angoisse le plus, c'est ses divisions. Altitude de la Chicorée. Ce qu'il y a bien avec la Belgique, c'est qu'on peut en sortir. Autant de fois qu'on veut. Au besoin, plusieurs fois dans une même et seule journée, par plusieurs côtés. Sans le vouloir, comme en le voulant, là est l'insolite. L'insolite dans le solite. Je peux, à l'horizon d'une journée complètement désœuvrée, dépourvue d'autres buts, jouer au jeu de la sinusoïde avec les frontières belges. Est-ce preuve de bon voisinage avec les pays limitrophes que l'absence de marques frontalières au sol? Oui, sans doute. Toutefois, persiste un doute au fond du oui du oui. La Belgique n'a plus de frontières extérieures, donc s'en est créé d'internes. Frontières d'intérieur, comme on dit, mobilier d'intérieur. Premier pays moderne aménagé pour la grande domesticité à venir. Moderne, modèle. Je me découpe
plus, je ne me découpe plus selon les pointillés, ciseaux, pots de colle, feuilles de papier identitaire blanche à remplir après trois lectures attentives. Belgique n'est plus la vieille bureaucrate douanière abritée des pluies, actionnante de sa guérite, l'entrebâillement, bâillage à auto, même à Maquenoise. Cherchez vous-même sur la carte. Charlemagne, avec son train, passe sans déranger la manille de ces messieurs. Nous ne vous dérangeons pas. Que nenni, me trouble seulement que j'étais en train de couper un roi. Charlemagne se magne, s'en va frôlant, rasant la France vers Spa, Verviers, Aix, Arun. Curiste incognito se dissout dans l'épaisseur du maquillage ardennais, royauté transparente, invisible, dont le souffle ne s'entend plus que comme bruissement de vent dans la grande hêtraie de l'histoire. Oh, les hêtres de l'histoire! Oh, la Meuse! Oh, Jupille! Longtemps, je confondis par myopie préventive le nom de la bière liégeoise jupilaire avec celui du maître de l'Olympe. Que la romanité marqua les enseignes de son imprégnation me semblait relever d'un pays de limès. Limès, le seuil. J'imaginais un roi des seuils. Je suis le roi des seuils qui passe son temps à se désaltérer dans sa longue et interminable journée. Jupiter, le Romain, ayant son culte dans la partie orientale de la Belgique, laissait Rodenbach le païen régner sur les gosiers de l'Ouest-Belgique. Jusqu'à ce que je vinsse un jour à Jupil, sur la rive de la Meuse, en aval de Liège, vissent les grandes usines blanches de la brasserie carolingienne. Je contemplais le fleuve, le trafic des péniches filant vers Maastricht, Nijmegen et Rotterdam. La Meuse, pressée de se rhénaniser, sur l'autre rive étaient Herstal, berceau des pipinides, issu du tronc Martel, matrice de toutes les sarrasinades passées et encore à venir. Les fleuves coulent irrésistiblement à la verticale de l'histoire, pensais-je. Nous laissent sur leurs rives, nous, les latéraux, les humains. L'histoire est histoire de latéralisation. Nous nous divisons par latitude. Peu de latitude, en fait. Très peu de latéral à nos horizons. Le parallèle qui traverse les sources de l'Oise, dans la prairie du côté de Chimay, le 50e, partagera d'ici quelques fuseaux les deux Corées. Un Belge flamand, regardant une map monde, eut un jour une idée. Il y avait la Corée du Nord et la Corée du Sud que partageaient une même langue. Pourquoi ne pas imaginer par projection une frontière latitudinale qui marquerait la division de la Belgique en deux langues ? Il inventa la Chicorée du Nord et la Chicorée du Sud. La frontière ne se verrait pas, elle s'entendrait. Voilà, ce serait une frontière orale et non plus oculaire. Je vois un Belge quelconque, je ne sais pas dire s'il est du Nord ou du Sud. Il me faut attendre qu'il ouvre la bouche. Or, tous les Belges n'ouvrent pas la bouche en même temps. Il peut même se faire qu'un Flamand ouvre la bouche en flamand dans la partie wallonne. Qu'en déduire ? Rien. Sinon que la frontière est une frontière ouverte. Je ne peux pas, moi, douanier, vous verbaliser parce que vous avez la bouche ouverte. Peut-être manquez-vous d'air, tout simplement. Quoi qu'on n'ait jamais vu de Flamand manquer d'air. Il y a des mois en air pour les moules et les huîtres, il peut bien y avoir... aussi pour les Flamands et les Wallons, mon Dieu, c'est logique. Donc, les deux chicorées se partagèrent entre celle du Midi et celle du Nord, comme les gares à Bruxelles. Il n'y aurait plus de chicorée centrale, mais il n'y aurait pas de chicorée centrale. Ah ben ça non, le cœur de la chicorée est beaucoup trop maigre pour faire une gare. Ainsi, la Belgique est un pays essentiellement végétal, légumier, où les salades se font à feuilles séparées. Il ne sert à rien de se le cacher. La langue est un condiment trop fort, irrite trop poivreusement les bouches pour se contenter d'un seul et même assaisonnement. Est-ce qu'on comprend bien ce qu'il en est de la latitude ? Est-ce qu'on comprend bien comment la latitude peut conformer l'attitude ?
Quant à l'altitude, oui, elle est nécessairement de la partie. Il se trouve que la Chicorée du Sud a pour elle le relief, les hauteurs, les vallées profondes, les petites rivières à eau douce pour la fabrication des bières. La Chicorée du Sud. Inversement, la Chicorée du Nord est le fief de la plaine la plus plate qui se puisse imaginer, la feuille de salade la plus passivement étendue pour le passage de l'huile. Les deux Belgiques ne se touillent pas. Tout avance par deux. Aucune n'avance devant l'autre. Ce sera au mieux statu quo et l'étu quoi. Alors, vous dites que ça, dans la fin et la suite du poème, que finalement, c'est une invention géniale pour la Belgique et ça durera... Mais ils sont constamment en crise l'un avec l'autre. Et ça dure depuis extrêmement longtemps, au moins depuis 1930. On est pratiquement à 100 ans de crise, de réformes constitutionnelles, de grèves, de gouvernements sans tête. Ils sont restés, ils ont battu tous les records. Ils ont été 6 mois, 7 mois sans Premier ministre. Et le pays a continué, a très bien marché, véritablement. Et donc, je trouve qu'à la différence des gens qui se tapent sur la figure... à droite et à gauche dans le monde, ils sont un modèle, ils sont un exemple. Ils ne s'entendent pas, mais ils vivent ensemble. C'est ce que j'appelle la sagesse. Alors là, on reste en Belgique, mais en Flandre. Et on va manger des gaufres. Oui, on va manger des gaufres. Ah, on ne peut pas ne pas manger des gaufres. Je me suis aperçu l'autre jour que la gaufre commencer à la latitude, oui, vous venez de le dire, d'Arras. À Arras, sur l'une des places d'Arras, il y a une boutique qui vend de la gaufre. Et donc, je me dis, tiens, là, il y a une frontière invisible entre Amiens et Arras. Il y a de la géographie dans toutes ses émotions. Oui, et c'est l'histoire. C'est comme ça. Et c'est l'histoire également. Il faut prendre alors, son billet. Hein. Alors, là, c'était l'auto tout à l'heure. Là, je vais aller à vélo sur la plage de Panne, comme on dit en flamand, la Panne en français, qui est la première plage sur la mer du Nord en Belgique, juste après Zuidcoot, qui est en France. On fait de la bicyclette dans toutes ces plages flamandes. Elles sont toutes plates avec la main pour le passage de l'huile. C'était de Panne, nous pédalions le dos au vent sur la jetée. La promenade en bord de mer, odeur de gaufre, Liège ou Bruxelles, l'enfarinée ou la sucrée. Et sous l'étoile que les cafetiers avaient fixée au sable, le troisième âge se détendait et s'embarquait par la pensée pour la cocagne d'une troisième vie. Cocagne, cola et gin gratuit dans les bourrasques de l'océan. Nous pédalions le nez au vent. Nous appuyions sur les pédales entre les dunes, nous faufilant, nous faufuyant, nous tenant chaud à la colonne vertébralement. Rêve debout, au cale-pied, le corps marchait, les rêves claqués, tout est question de position. Quant à la roue, petite vitesse ou grand braquet, gaufre farine, gaufre sucré, tout dépend qui sème le blanc, si c'est la mer et son écume, si c'est le vent et ses haussières, si c'est le temps, mieux vaut s'asseoir sur son transat quand sa pluie fine retombera sur nos cheveux, et nous rêvant à l'océan, salive marine en salivant, nos dents gâteuses, échines couchées contre un dossier, attendant que notre manège est déjanté, moteur cassé, tournant à vide comme toupie, coquin fouet, jambes ou pédales ne redressa, car nous tournons sur un vélo, puis sur une chaise, et refaisons l'ancien circuit dans nos cerveaux. Rien ne va droit, mais tout circule, circulairement, c'est une roue que nous poussons debout couché, ou bien assis, ou bien au lit. Le corps est fait pour s'oublier, mettez du pneu à vos poèmes. Et sur la plage, ostendez-vous, dépannez-vous. Monsieur Ensor mettra des masques à ses harengs pour qu'ils sentent moins lorsque le vent sucré-salé nous soufflera leur pourriture. Pédale, pédale, enchaîne les tours comme pour l'amour. Pousse ton tramway en front de plage, trajet aller, trajet retour.
Voilà. Attends. Vous pouvez applaudir le lecteur et le chanteur d'un même coup. Car il s'est risqué, Jacques Darras, à aller sur les pas de Raymond Queneau, mais peut-être dans la salle, y a-t-il sa Juliette Gréco qui se lancera dans ses textes, qui essaiera de mettre en musique Darras. Mais en fait, j'en sais rien, mais moi je suis plutôt rappeur, quoi. C'est d'abord du rythme. Ah oui. Votre écriture. Ah oui. Ah oui, pour moi le rythme c'est essentiel. C'est presque plus important que la musique d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas de musique sans rythme, quoi. Mais c'est la base, c'est basique. Et donc, quand on met du rythme dans son poème ou dans son écriture, on met du rythme dans sa propre vie. C'est pourquoi, moi, je suis aussi admiratif, par exemple, des sportifs. Parce que les sportifs, ils ont le sens du rythme. Je pense en ce moment au match de foot qui a lieu entre la France et la Moldavie. Vous êtes très courageux d'être venu, effectivement. Donc, merci beaucoup à vous. C'est plié, et donc, c'est plié. Mais qu'est-ce que c'est le foot à l'heure actuelle, Le foot moderne, c'est du rythme. C'est du rythme. Non, juste trois. Trois buts pour la Moldavie. Une blague. Vous êtes inquiet, hein. Mais il est informé, il a son transistor dans la poche, on ne l'entend pas, mais il est en direct. Hein. Des fois, je mets texte dedans, et après le spectacle, les gens me disent « C'est incroyable, tu réponds à tes SMS et en même temps... Tu dis tes textes par cœur. Alors, oui. On est en Belgique encore, hein, on est à Bruxelles. Jacques Darras, pourquoi la poésie? Oui, pourquoi? Et alors, non, vous avez de grandes raisons, parce que vous avez de grandes admirations, de grandes connaissances aussi, par les personnes même que vous aimez rencontrer ou sur lesquelles vous aimez écrire aussi, les autres poètes. On s'est toujours dit ça quand on se baladait ensemble, c'est que quelquefois il faut répondre que oui, l'amour de la poésie, c'est pas l'amour de sa propre poésie et de ce qu'on a su écrire, mais c'était une ouverture aux autres poètes. Ah oui. Ouais. Et on se disait tout à l'heure qu'aujourd'hui il y a un geste qui est souvent caractéristique du poète, c'est qu'en même temps qu'il écrit des poésies, il analyse et il écrit sur la poésie, ce qui aussi vous arrive. Et en tout cas, vous placez votre idée idéale de la poésie dans cet exercice d'admiration qu'elle est forcément. Quand nous nous sommes rencontrés, vous avez dit « oui, c'est ça probablement, je dois chercher la tristesse par tous les bouts, mais ça ne m'intéresse pas ». Vous dites « ou les poèmes tièdes, ou ceux qui s'enferment dans trop d'infinie tristesse, ça ne m'a jamais parlé ». Vous êtes pour une poésie de l'enthousiasme, avez-vous dit à ce moment-là, on s'est rencontrés à la Maison de la Poésie à Paris, où moi je martelais du Rimbaud, qui était assez énergique, hein, c'était ce qu'on dit aux poètes à propos de fleurs. Et vous m'avez dit ça, la joie plutôt que l'éternelle tristesse du poète. Et en même temps, je l'ai mieux trouvé, approché plus précisément avec plus de nuances, je dirais, quand j'ai dû lire, par exemple, ce texte magnifique qui donc fait partie de mes machines, qui reviennent automatiquement, « Apprendre très vite à laisser place à l'admiration dans la phrase. » Apprendre à laisser les poumons se dilater dans nos propres phrases. Apprendre à faire place à la place qu'occupe l'air pulmonaire en nous. C'est un texte qui s'appelle « Bruxelles Grand Place, la brouette ». Apprendre à faire place à la place qu'occupe l'air pulmonaire en nous. Mais c'est physique, c'est ça. L'admiration, c'est physique. Être sur la place de Bruxelles, ressentir ce qui nous entoure, c'est physique. Apprendre à faire place à la place qu'occupe l'air pulmonaire en nous. Apprendre à parler ciel ouvert. Apprendre à parler ciel couvert, en public, à nous-mêmes, pas nécessairement en public, pas nécessairement devant les foules publiques. Il y a une architecture de la parole parlée qui correspond, qui répond à l'architecture construite. Il suffit que nous nous adressions publiquement à l'intérieur de nous-mêmes. Il suffit que nous nous adressions publiquement à l'intérieur de nous-mêmes, que nous apprenions à faire place à d'autres langues architecturales en nous, que nous fassions place aux langues les plus étrangèrement proches de nous.
Entendez-vous, Wallon? Entendez-vous, Flamand? Entendez-vous, Français? Il y a une architecture qui ne peut se construire qu'avec l'aide des poumons. Aérez-la, faites-la courir, qu'elle se dilate dans les prairies d'herbes étrangères. Aérez les places publiques de vos intimités, dédramatisez vos langues moisies, circulez dans l'architecture de toutes les tuberculoses que vous aurez évitées. Admirez la grande place de Bruxelles qu'en flamand on nomme Rotmarkt. Admirez la grande place pulmonaire dans toutes ses langues architecturales. Admirez la grande cathédrale qui n'a d'autre plafond que nos exclamations. Admirez la place, quelle place, ménage chaque fois en moi à mon admiration. Admirez sa capacité de cri librement acquise sur d'anciennes peurs exorcisées. Commune, commune, comme un tocsin d'incendie joyeux résonnant en moi. Je t'admire, vieux Nedermarkt, vieille place aux sept lignées, aux neuf nations. Le soulèvement du vent des Flandres côtières dans tes cordes, dans tes voiles. Le soulèvement du vent venu d'Ostende dans la toile de ton marché éphémère. Je le sens qui me gonfle admirativement les poumons au singulier et au pluriel. Je le sens qui m'emporte comme une barcasse brugeoise embarquant aux Zwins. Grote place, grote marque, grand place. Tu cries en traduction simultanée que nous sommes air, que nous sommes ciel, que nos prières à Dieu prendront la route des mouettes, que les corbeaux cocagnent, que les pies gibées qui logent aux fourches de l'œil, nos voix les dénicheront le jour où se décoiffront ensemble les toits d'église et que parlant sans contrainte à tu et à toi avec le grand architecte supérieur, nous glisserons. Nous naviguerons de conserve dans sa nef de voilure palatale. Alors, je vais faire. À la fin, je parle des corbeaux cocagnes et que l'épi gibet. Et l'épi gibet, ça fait allusion directement à un tableau de Bruegel qui s'appelle « La pie sur le gibet », où l'on voit des paysans qui dansent sous un gibet. Et tout en haut du gibet, il y a une pie qui est, on le sait, les pies sont très nombreuses, toujours autour de nous. Enfin, je sais qu'il y en a des quantités qui viennent dans mon jardin, je les observe. Et la seule chose qu'elles ne font pas, ou quand elles le font, on se bouche les oreilles, c'est chanter. Donc la pie qui chante, en vérité, chante faux. Portée de la pie. J'adore les oiseaux. Bon, ça, avec ça, je participe de cela avec d'autres poètes. Pierre Garnier, par exemple, adorait les oiseaux. Vous avez rencontré, vous me disiez tout à l'heure, avant d'entrer, un picard oui. qui est connu mondialement. Moi, je chanteur ne connaissais d'oiseaux. Pas. Et qui est un siffleur d'oiseaux. Johnny Ras, oui. Johnny Ras. Eh bien, écoutez, c'est extraordinaire. La pie. Malgré sa livrée de prêtre, chasuble surplis, la pie, l'impieuse, la pieuse des deux ailes, qui sautille vers l'autel des déchets, des déchéances matérielles, avec l'entrain d'un petit vautour occidental domestiqué, déchante, comme si elle emportait le lutrin dans son bec chaque fois qu'elle parle, déchirant le psautier d'une joie mécréante absolue, qui la fait paroissienne avec le jet, les pêches de la contre-église de la création, musicienne disharmonieuse, la pie, la gâche, la gasseuse, la guicheuse, veut pouvoir séduire par l'ironie bariolée des éléments, des humeurs, dos noir, ventre blanc. Comment ne pas rendre compte de son rôle de chômeuse capitale aux emplois de la Genèse, après le corbeau, la colombe. La paix, la pie, la pitié, le cœur moqueur du rire plutôt, la pie, la pitié du pire. Et donc, qu'allez dire
Vous êtes passé la vitesse au-dessus, c'est le signe quelquefois qui nous rallie, c'est de frapper les choses. Hein, poésie, parler, marcher. Et bien, dans l'interprétation que vous avez faite là, vous marquez les mots. Je sais que dans la poésie, quelquefois, il faut faire attention à laisser en cours, et vous l'avez fait tout à l'heure, le déchiffrage, qu'on est en train, comme si on était presque en train d'écrire, de trouver les mots. Et d'autres fois, c'est effectivement un air de fête qui accompagne les mots et les sortir. Et la joie que vous aviez à frapper ça, elle vient des Gilles. Hey, elle vient des Gilles de Bâche. Le rythme. Du carnaval. Le rythme basique. La danse et le carnaval, hein. Les Gilles de Bâche, on les a souvent chantés. Je me suis emparé de ces pages dans Van Eyck et les rivières. Les Gilles sont précédés par une arrivée, des cris qu'on entend qui commencent par les Gilles, parce que vous, ça réunit plusieurs personnes, forcément. Puis tout à l'heure, on s'amusait à les énumérer, à commencer par votre fils, qui s'appelle Gilles. Moi, je me souvenais aujourd'hui, on dit Gilles, fais pas le Gilles. Hein, c'est le titre d'un spectacle à propos de Deleuze. Puis il y a le Gilles de Watteau, ce célèbre tableau. Il y a le Gilles de Fac qui nous accueille à Lille, au théâtre au Prado. Du Prado, et qui est d'ici, qui est de là. Bien sûr. Les Gilles, on les entend arriver. Là, vous connaissez l'histoire du carnaval de Binche, où ils dansent trois jours sans arrêter. C'est une sonnaille, un Gilles, c'est une sonnaille faite corps, c'est la Pentecôte, les cloches qui pendent aux côtes, c'est l'évangile qui sonne, maïsonne, à la ceinture, la taille, que l'on appelle à pertintaille. Ce sont sept cloches, dont 2 kilos, plus un grelot sur le poitrail, c'est le beffroi fait homme effroi, venu de Rome, courrier pascal, ce sont parfois 9 cloches carillonnantes à mon clocher. Oui, et tout simplement, on peut aussi danser les Gilles, ou peut-être se laisser prendre par leur mouvement continu, leur transe. Ils dansent les genoux fléchis, ils dansent le buste légèrement penché vers l'avant, ils dansent leurs chaussons blancs, se soulèvent dans leurs sabots vernis noirs. Ils dansent continuellement, ils tournent lentement sur eux-mêmes cependant qu'ils dansent. Ils dansent, ils gardent le sourire, ils dansent avec les pieds, les jambes, le corps ne tremble pas. Ils dansent en se touchant par l'épaule, ils dansent en sorte que la danse de leur danse tourne sur elle-même, ils n'avancent pas devant eux, ils avancent en tournant. Ils dansent en montrant leur visage aux deux côtés de la rue. Ils dansent comme s'ils étaient la terre tournant au soleil ses saisons. Ils dansent et ils sourient. Ils dansent leur tête ronde de villageois rendue plus ronde par un bonnet blanc. Ils dansent leur tête ronde illuminée par un sourire comme une pomme mûre. Ils dansent la danse de la terre fructifiante. Ils font fructifier la danse par la danse. Ils dansent la multiplication des feuilles, dansent le dépouillement des feuilles. Ils dansent la graine de la danse qu'ils sèment, qu'ils repliquent en tournant. Ils dansent, ils tournent, ils entraînent le mouvement de tourner avec eux. Ils dansent l'imitation même de la danse qu'ils dansent. Ils dansent l'imitation, ils redoublent la mesure de leur danse. Ils dansent, ils montrent à l'exemple, ils tournent à l'exemple de tous ceux qui tournent autour d'eux. Ils dansent en rond sur eux-mêmes, follement, sagement, leur folie est la danse. Ils dansent, ils disent que tout sur terre dansera toujours avec la terre. Ils dansent, ils disent que la danse est folie de qui tourne en rond avec soi. Ils dansent, ils disent que folie, sagesse, danse ensemble la même danse. Ils dansent, ils ne diront plus rien, ils dansent. Montre dans l'exemple. Les Gilles. Alors, on a fait dans nos lectures l'une d'elle passait par. On était invité par la ville de Nice, au MAMAC, au musée de Nice, où sont des œuvres qui vous tiennent à cœur, celles de Tinguely et Niki de Saint-Phal. Vous avez écrit, d'ailleurs, quelque chose qui reste inédit, même si on en dit quelques poèmes,
un hommage à Niki de Saint-Phalle qui disait « Le monde est rond, le monde est sain, le monde a la rondeur d'un sein, j'aime le rond, j'aime les courbes, je n'aime pas l'angle, l'angle me fait peur, l'angle droit tue, l'angle droit est un couteau, l'angle droit tue, c'est un couteau, l'angle droit est un assassin. » J'aime le rond, j'aime les vagues, je n'aime pas la symétrie, mes cercles ne sont jamais bien ronds, je n'aime pas la perfection c'est la froideur, l'imperfection donne la vie, j'aime la vie, j'aime le rond, l'ondulation, j'aime la vie que donne le rond, rond ou carré, carré ou rond, je me promène à l'intérieur. Je suis un moine, etc. Vous avez écrit un long poème comme cela sur magnifique, sur Niki de Saint-Phalle. Et Jean Tinguely, parce que c'est un couple d'artistes que je trouve absolument extraordinaire. D'ailleurs, je pense qu'il est beaucoup plus connu à l'extérieur de la France qu'en France même, bien qu'il y ait eu une exposition remarquable il y a quelques années sur Niki de Saint-Phalle au Grand Palais. Et donc, elle est rondeur. Ces nanas sont absolument prodigieuses. Il y en a une à Dunkerque, je pense que c'est la plus proche, au musée de Dunkerque, dans les dunes. Il y a des nanas un peu partout. Il y en avait une superbe au Negresco à Nice également. Et puis, Tinguely est aussi fil de ferry que elle est volumineuse en quelque sorte. C'était un couple presque caricatural, un couple fil de fer masculin et rondeur féminine. Et puis, il se rattache au carnaval de Binche. Car lui, il est suisse, et l'un des plus beaux carnavals qui soit, c'est celui de Bâle, où se trouve aujourd'hui son musée, leur musée d'ailleurs. Et puis après, si on suit la frontière, il y a le carnaval de Stavelot, le carnaval de Binche et le carnaval de Dunkerque. Vous avez remarqué comme les carnavals suivent cette fracture entre les pays de langue française et les pays de langue germanique. Moi, ça m'a toujours absolument sidéré, cette chose-là. Et donc, j'ai un poème sur Tinguely, qui est plutôt un poème à Tinguely, Jean Tinguely, qui est un poème sur une de ses œuvres extraordinaires qui s'appelait, qu'il avait appelé, Métaharmonie, c'est-à-dire au-delà de l'harmonie, et qui se trouve aujourd'hui au musée Tinguely à Bâle. Et donc, c'est une machine qui fonctionne, une immense machine qui fonctionne pour rien. Il faut que je fasse démarrer l'admiration au starter, un peu froide ce matin, l'admiration devant son triptyque de la roue mystique. Dis donc, l'agneau, file-nous un peu de ton soin pour donner du jeu aux bielles, ah, les belles 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 bielles, c'est presque parti, ça y est, ça y est, ça y est, les molettes, les molaires, les volants, les moyeux, et surtout les tringles, les tringles, les tringles, les triangles, les triangles, les courroies, les roues des courroies, qui entraîne le train, détringue, le train, détringue, le train, détringue, partira à 11h, au quai 7, 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 il roule, il roule, il roule, il roule, Tinguely, 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 n'est-ce pas extraordinaire comme le nom de Tinguely, Tinguely, roule, 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 tout seul, tout seul, tout seul, comme s'il était monté sur roue, comme s'il était programme mécanique de lui-même, comme si lui, Tinguely, comme si lui était la Suisse à lui seul. La mécanique horlogère jurassienne, jurassique suisse. Mon petit Tinguely, mon petit Tinguely, mon petit Tinguely. Oui, papa Calvin, oui, papa Calvin, oui, papa Calvin, oui, papa Calvin. Va dans les bois, mon petit Robinson, mon petit Robinson, mon petit Robinson suisse. Retire-toi dans les bois, dans les bois, dans les bois, dans les bois, autour de Bâle, autour de Bâle, autour de Bâle. Et mets-toi à construire des moulins, mets-toi à construire des moulins. Oui, papa Don Quichotte, oui, papa Don Quichotte, oui, papa Don Quichotte. Quel moulin, quel moulin, quel moulin, quel moulin. Des moulins à papier, des moulins horlogers, des moulins à farine, des moulins d'arachide, des moulins d'arachide.
des moulins d'arachide, arrache, 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 arrache-toi la répétition, Tinguely, construis des moulins à eau, de jolis petits moulins à eau que tu installeras, mon Rousseau, oui, mon Jean, mon Jaco, mon Jean-Jacques Ruisseau, sur le bord des courants, des torrents, des courants, des torrents, des courants, qui coulent leur belle, 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 oui, leur belle, 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 bielle brillante de liquide, oui, mon Jacques. Oui, mon Jean, dessine-moi une méta-harmonie harmonieuse de machine homme marchant à l'eau, sans vapeur d'eau, une mécanique d'imprécision qui m'aime, me suive, qui m'aime, me suive, qui m'aime, me suisse, la grande roue universelle, laiteuse et galactique du temps, l'immense roue illuminée avec ses étoiles et son chocolat fondant mécanique, puisque le temps est une pâte extensive de noisettes forestières que dilue musicalement l'adjonction d'eau. Oui, mon Tintin, mon Tintin, mon Tintinaguely, donne-nous la recette, donne-nous la cassette enregistrée, la recette, la cassette enregistrée des Mirabelles, Mirabelles, Mirabielles du paradis. C'est par la bouche que nous buvons, c'est par la bouche que nous mangeons, c'est par la bouche que nous baisons, la bouche de celle que nous aimons. C'est par la bouche que nous parlons, c'est par la bouche que nous chantons, c'est par la bouche que nous rotons, c'est par la bouche que nous crions, nous vomissons, nous éructons. C'est la bouche qui, mieux que les yeux, reçoit le monde et qui le rend, qui le recrache en l'avalant. C'est par la bouche que je crierai à l'heure du jugement dernier. C'est par la bouche que vient la mort, c'est par la bouche qu'elle me mord. C'est par la bouche que je veux boire, c'est par la bouche que je veux croire, c'est par la bouche que le calice par nous est bu jusqu'à la lie, c'est par sa bouche que mamie est comme du pain pour ma mémoire, c'est par la bouche que je vous parle, c'est par sa bouche que j'ai baisé, que je veux mourir apaisé, c'est par son ultime baiser que je veux clore mon histoire. Mes yeux du monde ont vu l'effroi, mes mains au monde ont pris froid, mes pieds d'aller se sont glacés, le souffle qui est dans mes poumons, lesquels du cœur tirent leur chaleur, laquelle aux mots donne leur action, c'est à ma bouche qu'ils finiront. Quand je vous parle, c'est comme de boire, quand je vous parle, c'est comme de croire que c'est aux mots que nous buvons, que c'est au cœur que nous devons rendre le souffle qu'il nous prêta, dont nous usâmes sans bien savoir si nous ne le gaspillâmes pas. Boire quelquefois, c'est pour ne pas parler en l'air, parler pour rien, parler en l'air. Quelquefois, boire, c'est pour se taire, faire puits silencieux dans la terre de notre argile avant la mort, pour qu'elle ait soif, qu'elle ait remords, de ne pas bien nous arroser quand nous serons sous la rosée. Boire, c'est par pure précaution de faire marcher notre mâchoire, qu'elle fonctionne comme une passoire articulée à un seul trou. Aussi longtemps que j'aurai vie, quand moi j'aurai puissance de cri, je n'écrirai que pour crier, à mots trempés dans l'encrier, des sons qui résonnent dans le noir, car nous vivons tous dans de l'encre dont nous ne savons pas pourquoi elle est si noire autour de soi. Les flots de sang qui, dans nos corps, nous baignent comme une plage dehors, quand ils s'épandent et se répandent, nous privent de vie à l'intérieur. Entre la nuit et le sang rouge, ce n'est que nuance de couleur. Ne sommes-nous nés que pour crier? Ne sommes-nous nés que pour saigner? Je ne sais pas, mais je veux boire, comme si buvant des mots qui sont, des mots qui sonnent pour la mémoire, c'était du sang que je buvais, comme si ce sang avait du sens, qu'il circula pour nous guider. Nous avançons tous dans la nuit, qui est devant, qui nous précède, qui précéda les précédents, nos antérieurs, nos pères d'avant, nous titubons, c'est mieux ainsi, d'entre le noir étant gris, faisant semblant de s'habiller de la nuance la plus foncée. Quelle couleur à la mort, qui sait? Ceux qui de tous l'ont mieux peinte, ce ne sont pas les peintres, ce sont ceux qui firent teinter nos peintes, peintes de bière, coupes de vin, lèvres de mots chers de raisin. C'est par la bouche que nous vivons, c'est par le vent que nos joues font, que les moulins aux mots ronronnent, qui font le raffinement du blanc, farine de nuit, fleur de froment. C'est la levure qui est aux bières, qui nous libère de la bière, que l'on voudrait clore mon roman, où l'on voudrait clore mon roman. La poésie a mieux saisi, ne closant rien, elle garde lui ouvert jusqu'au bout de la nuit, de toutes les moins hospitalières qui par nos bouches recueillies ruisselleront fraîche eau de vie, dont nous ferons d'autres boissons.
Transformation, c'est le mot clé, la clé qui ouvre est dans nos bouches, la clé qui ouvre est dans nos mots. Fermé, oui, mais l'interruption qui est au verre, qui les mots coupe, à peine sont-ils sur le papier, et la chanson du continu, par quoi nous sommes continués à notre insu, par une force circulaire. Donc, levons le verre, levons le levier de nos verres de chair, jusqu'à la fine frontière entre le monde et nous, la bouche et bouche d'une rivière que nous formons dans l'univers avec le courant de nos mots, avec le courant de nos souffles, avec le courant de nos sangs et le courant de la lumière. Buvons, buvons et confluons, nous accordant et musiquant, la bouche ouverte, la bouche fermée, en une sempiternelle prière. Je vais faire une prière douce, inédite, à cette partie de la Picardie qui m'a vu naître, le Ponthieu, le Marcantaire. Cette marge, cette manche, ce plancher magique où les vagues valsent avec ceux qui entrent frigorifiés dans l'eau, mais en sortent aiguilles de sang, faisant Noël, faisant sapin illuminé d'éternité, cette terre à où, cette herbe à haie, ce sable léger où les tulipes explosent, champs rouges en mai, pour faire pâlir le nuancier, ces tuiles basses, ces murs cholés, ces boiseries vertes qui s'accroupissent sous les hêtres, que le jaune des boutons d'or assiège pour détonner encore plus fort. Je la cultive, je la fréquente assis dûment, mais pas durement, tant elle est douce à l'océan qui l'enveloppe, qui la dorlote, qui l'emmaillote, petite mais, huchette à pain où l'on couchait jadis l'enfant. Je suis l'enfant perpétuel jusqu'à la fin, qui balancerait au rythme de l'eau, douce au salé, sur l'onde allante avec les pieds, ou bien l'esprit, ou les images, ou bien les mots, pour vous qu'ils m'aident à avancer ma marche, ma marge, ma manche, ma main. Tu m'as choisi par la naissance, je n'y peux rien, c'est ainsi fait, et ma revanche est un merci de grâce. À qui ? À mes parents, pas plus que moi sûr d'être ici. Ils n'y sont plus depuis longtemps. Par volonté expresse d'un dieu ou d'une déesse terrestre d'antan, comme on les voit statues d'argile dans les musées. Moi, le poète, dans mes statues, il m'appartient de dire merci pour eux, pour moi, pour ceux que la confiance de vivre remplit d'une joie certaine, tant il m'a plu, voyez, il pleut, de naître ici entre la mer et la forêt, entre les êtres et les haies. Si j'aime les êtres, c'est d'être né entre deux arbres, entre deux vagues. Cherchez-moi bien. Oui, cherchez-moi. Je ne suis pas si bien muché. Le dernier poème s'appelle « Chanson d'automne » et j'ai voulu le précéder... Peut-être qui m'a toujours amusé, qu'on avait mis dans le montage Jacques Toujac, où vous n'hésitez pas, vous cherchez un interlocuteur, donc vous vous parlez publiquement à vous-même. Ouais. Attendez, je vais prendre un soutien. Oui, coupez tout. Jacques, es-tu jamais triste? Je te pose la question moi-même, personne jamais ne te la demandant. La pluie roule-t-elle sur tes joues, mimant les larmes que tu aurais au fond des yeux et qui, ne coulant pas, délègueraient leur eau démocratique à l'eau du ciel laïcisé ? Jacques, n'esquive pas la question, s'il te plaît. Il pleut souvent au nord, reconnais-le. Oui, je sais, j'ai passé mon enfance à écraser l'après-midi de mon nez sur les vitres, à regarder
le compotier céleste s'épuiser. Cependant, j'ai appris à aimer la tristesse, la pomme fluide des automnes pluvieux, le jeu de mots sur la vieillesse du temps cueilli dans la paume tenue ouverte sous les nuages. J'aime surtout le mot buée, qui est comme une nuée enrubée, me bouche dedans, carré d'étoffe grand comme un champ de colza jaune en mai à la lisière d'une forêt. Mes pluies sont jaunes, mes pleurs sont vrais par la couleur qu'ils ont ensoleillée. Il m'arrive même de pleuvoir en été d'une pluie fine qu'on nomme drache. Par chez nous, drache, c'est d'arras en liquide concentré, car je ne pleure jamais qu'étant nommé, qu'étant sommé par mon nom de lui rendre compte de mon humeur. Humidité joyeuse, voilà le bulletin que j'aimerais faire à la fin. Humidité joyeuse. Bonsoir, Mia. Alors, c'est la même chose. Le poème retrouve ici un miroir, c'est vous vous adressez à vous-même. Je peux vous poser la question. Jacques, te sens-tu vieillir ? Jacques, te sens-tu vieillir ? Oui, mais provisoirement. Qu'est-ce à dire que tu craindrais l'avenir ? Non ! L'après-mûrissement, le blêtir de la poire, le gâté du gâteau, la moisissure qu'on voit comme fleur blanchir les fesses de la pêche, la prune trop longtemps comprimée au verre du compotier, le compost que je suis en puissance, je m'y tourne, m'y résous petitement. Mes graines, sans le savoir, me sèment en mes sémants. J'habite pour bien faire une rue de village qu'on nomme rue des fraisiers, qu'il ne m'est plus possible à jamais de sucrer, le sucre m'étant proscrit, diabétique, deuxième dent. Deuxième dent, mes molaires sont en plomb, je l'admets. Les implants sont trop chers pour le futur terreux où j'irai courtiser Madame l'archéologie qui ne sait plus quoi faire de pléthore nos mâchoires. Prière et balayette, importe-t-il vraiment de finir au musée ? Mon squelette favori, celui que je préfère, s'il m'était accordé de pouvoir l'habiter post-mortem quelque temps, c'est la cage dont les vers constituent les barreaux, mon échelle de mots masticables, d'autres dents que les miennes. De vous couper en plein poème, mais c'est quelque chose qui revient, qui me revient de ces espèces de danse macabre avec lesquelles vous faites avancer certaines images qui sont familières dans vos poèmes. Médiévaux, oui, médiéval. Oui, mais je me sens très, très médiéval, moi. Moderne, mais médiéval. Oui. Les deux à la fois. Et donc, vous faites danser les squelettes, et c'est eux qui respirent. La cage dont les vers constituent les barreaux, mon échelle de mots masticables, d'autres dents que les miennes, gorge et dents, j'aimerais que leur vent siffla sur la colline, joue vivante, que leur pluie mouilla mieux, que le sang les ouïe potentiels, les évents accueillant à grammaire le poème. Vingt souhaits, poésie, c'est vin de la vigne qu'on boit par le tympan. Voyez comme l'image fait l'église, à son porche, son entrée, se doter d'un tympan similaire, creuser dans surdité la pierre. Si vous pensez à moi, parti de sous la dalle, ce n'est pas la crever qu'il faudra, mais qu'elle sonne, qu'elle résonne en répond à vos voix, deux à deux. Nous sommes résonance mieux que raisonnement, inaudibles l'un à l'autre, quoique se résolvant l'un dans l'autre, bruit et essence. Jacques, te sens-tu vieillir ? Jacques, te sens-tu vieillir, vieux chicot, vieille canine ?
tout juste, aboyé moins qu'il y a quelques années. Ah bon ? Rassagi, rassasié, prêt à quitter la scène s'il le faut, c'est ainsi. L'insensé que je fus s'habitue à son ombre, d'autant plus qu'il la fréquente en lui, détaché, autonome quasiment, et flottant à part soi comme la verront les autres l'évoquant. Jacques, quel pessimiste ! Non, joyeux d'une joie essentielle résumée, un alcool de moi-même condensant ma sonate jacobine décentrée, ma chanson échansonne. Je la verse, je la pleue à tout vent. Buvez-moi par l'oreille, c'est elle qu'on entend. Bravo. Eh bien, c'est formidable. On y retourne. Nice.